sommes présents à côté des organisateurs d'Equitalion depuis plus de 20 ans maintenant. Chaque année, nous essayons d'avoir une participation renforcée et ça me semble important de soutenir un événement majeur comme celui-ci, puisqu'en fait, on peut dire aujourd'hui que c'est les premiers salons européens. On a la chance d'avoir des organisateurs comme Sylvie et toute son équipe qui offrent à l'ensemble des clubs, l'ensemble des cavaliers et l'ensemble des habitants de notre région, bien au-delà, un événement exceptionnel, un salon extraordinaire et puis un plateau de cavaliers sur le plan sportif assez remarquable. Donc je pense que ça fait partie des missions du CRE d'accompagner les organisateurs, d'accompagner les organes et les gens qui font beaucoup de bien aux sports équestres d'une façon générale. Et puis sur le plan sportif, nous avons ici le développement d'un certain nombre de disciplines. Il n'y a pas que le saut d'obstacle, il y a le dressage, le western, le hunter, l'équitation pour les poneys, l'équitation western. Bref, un panel extraordinaire des activités équestres. Donc finalement, c'est une de nos missions et nous le faisons avec grand plaisir et à titre personnel avec très grand plaisir. Donc, plusieurs nouveautés d'ailleurs. D'abord la présence de la fédération en tant que telle à Equitalion. C'est la première année que la fédération a un stand. Nous sommes évidemment associés à la fédération, nous en faisons pleinement partie, donc c'est déjà souligné, c'est très bien et je pense que vraiment je m'en félicite. Ensuite, l'opération club éphémère, c'est une façon aussi pour le CRE, pour les clubs de la région de faire découvrir l'équitation et d'aller à la recherche de nouveaux pratiquants. Donc nous avons des poneys mis à disposition par un club et je l'en remercie. Ça permet de faire des baptêmes poney, de parler de l'équitation, des relations à l'animal et finalement de faire découvrir l'équitation, évidemment destinée aux enfants pour l'instant, à toute une série de gens qui ne connaissent pas et qui ne sont pas déjà inscrits dans les clubs. Alors ensuite, merci aux clubs partenaires de notre région. Dans les 12 départements, il y a plus de 50 clubs qui sont présents et qui sont prêts à offrir une heure d'équitation gratuite à ses enfants. Donc merci aux établissements. J'espère que ça sera de futurs cavaliers dans leur club. Et c'est une opération un peu nouvelle en Rhône-Alpes. Et ça a l'air de bien marcher. Je m'en félicite. Eh bien, c'est une grande satisfaction de voir que l'équitation sportive, notamment sur d'obstacles de la région, se porte bien. Évidemment, nous avons des têtes d'affiche. Si je commence à les citer, j'ai peur d'en oublier. Mais enfin, derrière Michel, il y a des tas de jeunes maintenant. Je pense qu'il a ouvert la voie. Et nous avons donc des jeunes cavaliers, des cavaliers un peu plus expérimentés. Bon. C'est un peu une question piège, ils sont très nombreux et ils ont la chance de pouvoir le faire puisqu'ils ont atteint le niveau avec leurs chevaux, leurs partenaires, leurs sponsors et vraiment c'est une bonne chose. Je pense que Equitalion c'est aussi l'occasion à ces cavaliers qui font déjà le tour du monde de venir défendre les couleurs de la région. Donc pour moi c'est une grande satisfaction, ça veut dire que le monde de l'élevage, du sport et des organisateurs travaillent de concert pour le bien du développement de la filière. Donc un grand merci à tous et puis bon concours et bonne réussite.